Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les écouteurs Bluetooth de la marque K6. Comme vous pouvez voir, K6 je crois, ou K6, bon, on s'en fout de la prononciation de la marque. Donc voilà, ce packaging là, c'est un peu le foutoir dedans parce que j'ai déjà ouvert la boîte pour faire les premiers tests. Donc comme vous pouvez le voir, là derrière il y a toutes les caractéristiques techniques des écouteurs. Ce sont des écouteurs Bluetooth auriculaires. Donc on va ouvrir la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on a le câble USB vers micro USB pour recharger les écouteurs. Il faut savoir qu'ils ont une autonomie de 4 heures d'écoute de musique. Donc c'est ce qui est marqué dans les caractéristiques. Il faut être sûr de cela. Donc on verra. Je vous dis ça dans le test qui sera dans une prochaine vidéo. Donc vous avez ces écouteurs là, comme je vous ai dit, ils sont auriculaires. Ce que j'ai aimé dans aussi, c'est le fil, il est plat et ça évite d'avoir des nœuds. Donc franchement, ça c'est pas mal du tout, c'est ce qui m'a encouragé en plus de les acheter. Et en plus, j'aime bien la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Ce fluo et ce gris, ça nous rappelle un peu l'Apple Watch Nike Edition qui est aussi en noir et en fluo. Donc j'aime bien ce duo de couleurs. Là vous avez pour recharger les écouteurs Bluetooth en USB vers micro USB. Donc vous avez l'entrée micro USB par ici. Ici vous avez le bouton moins et le bouton plus. Si vous restez appuyé sur le bouton plus, ça vous mène vers la musique suivante. Si vous restez appuyé sur le bouton moins, vous passez vers la musique précédente. Ici vous avez le bouton on off, et donc si vous restez appuyé sur le bouton, voilà, là ça commence à clignoter en bleu et en rouge, c'est à dire qu'il est en train de rechercher un appareil qui est sous Bluetooth. Comme ça vous pourrez faire le pairage entre les écouteurs Bluetooth et votre appareil qui est en Bluetooth. Donc ça marche vraiment bien avec, je l'ai testé avec mon Mac, ça marche bien. Je l'ai testé aussi avec mon iPhone et ça marche très très bien. D'ailleurs moi je l'ai acheté parce que bientôt je vais reprendre le sport. Et donc voilà, ça va m'être beaucoup utile. Donc en plus de ça, on a différents embouts comme vous pouvez le voir, que vous pouvez utiliser. Donc il y a différentes tailles. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il faut aussi signaler que la portée du Bluetooth, il est de 10 mètres. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, c'est bien. Et voilà un peu ce qu'il y a à dire sur ces écouteurs Bluetooth de la marque K6. Donc je ferai bientôt une nouvelle vidéo pour donner mon test complet, mais je préfère bien les tester. Comme ça je verrai aussi l'autonomie de ces écouteurs durant un appel. D'ailleurs j'ai déjà testé sur un Apple Hangouts et j'ai vu que vraiment le son il est de qualité. En parlant de qualité aussi, pour la musique, elle est vraiment très très bonne, cette qualité qui sort de ces écouteurs. Le seul bémol, c'est quand vous mettez une musique avec des basses et que vous mettez le volume au maximum, le volume il s'étouffe un tout petit peu. Mais bon, il faut pas leur demander beaucoup parce que moi je les ai achetés à 30 €. C'est pas mal comme prix, et ce rapport qualité-prix il est au rendez-vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, c'est très encourageant. Aussi là j'ai envie de vous signaler, j'ai fabriqué un petit plan de travail grâce à des feuilles d'imprimante blanches. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des scotch, c'est un petit bricole que j'ai fait. J'espère qu'il vous aura bien plu, comme ça vous aurez un joli plan de travail et de photos tout en blanc. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, c'est très encourageant, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires, je vais vous répondre avec grand plaisir. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour avoir mes futures vidéos. D'ici là les amis, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.